la parole que j'ai prise dans la foi pour vous faire ce partage notamment. Donc, ça, c'est tiré du livre de la sagesse au chapitre 15 au verset 1. Et ça dit ceci. Toi, notre Dieu, tu es bon et tu diriges toutes choses avec compassion. Avec cette demande de témoigner ou de partager ou cette forme d'évangélisation-là, je me suis questionnée beaucoup. Il y avait plusieurs extraits bibliques qui me venaient en tête. Certains ont cheminé, certains m'ont fait progresser. Il y a un fil conducteur via certains dans ma vie. Et ça m'amène à vous dire que j'étais beaucoup dans la rationalisation. Je suis une enseignante de profession. Puis je tentais de mettre quelque chose sur pied où ma pensée prenait beaucoup de place. Donc, dans le fond, ce que le Seigneur voulait me faire comprendre, c'est qu'il est bon, que c'est son Esprit Saint qui va diriger ma vie et qui va parler. Il faut que je mette de côté peut-être toutes mes pensées, tout mon rationnel. J'apprenne à lui faire confiance, j'apprenne à lui faire la place dans ma vie, puis que j'apprenne à me laisser guider par lui. Vis toujours en ma présence. Je vais établir mon alliance entre toi et moi. Donc, il m'invitait vraiment dans ma tumulte à faire des cœur à cœur avec lui. Si je veux avoir une vie empreinte de son Esprit Saint, ben il faut que je fasse des cœur à cœur. Puis, de là va découler les petits gestes du quotidien qui vont m'inspirer. Je termine donc en conclusion avec Matthieu 10, verset 20. « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Merci Seigneur.